Salut tout le monde, c'est Vonrek et on se retrouve pour le troisième niveau de Time Splitters, premier du nom. Où nous partons donc en 2005 pour le niveau Cyberden, en difficulté normale comme d'hab. Et cette fois nous avons donc comme personnage Deacon Swain, ou bien Chastity Détroit. On va partir sur Deacon. Je vais aller avec ses talons de 50 cm de haut, là ça me... Non. On est parti avec Deacon. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois? Une arme de poing sci-fi, ok. Emparez-vous des plans du cyborg et rendez-vous au conduit de ventilation. Et donc comme d'hab, hein, rendez-vous ici. Des mines de proximité, d'accord. 2-3 munitions. Wow, direct. Oh, il y en a en haut, dis donc. Il y en avait en haut, dis donc. Doulou, dis donc. Wow, comment il fait mal, lui. Oh, la vache. Ah oui, au fusil à pompe, c'est sûr. Putain, il m'a fait peur. Vas-y, viens, viens, viens. Bon, on l'a pas encore débarqué du départ. Hein. Encore du monde là. Il est où? Oh. Mais il y a encore du monde là. Ah, il y a du niveau là-haut en fait là. Oh punaise. Oh la vache, mais ni. Eh, on vient de commencer le jeu, hein. C'est le niveau 3 les mecs. Hein. Faut y aller mollo. Hein. Trop cher. Mais comme je disais, j'ose même pas imaginer le mode difficile, sérieusement. Déjà là, en mode normal, c'est chaud. Ah mais... Il débarque de partout, quoi. Ah oui, d'accord. C'est une tourelle automatique.
Oh la vache. C'est le troisième niveau, quoi. On prend déjà tellement cher. Par contre, je sais jamais où faut aller. Oh, je crois que c'est un vide là. Je crois qu'on va éviter. Ok. Apparemment, c'est pour un vide vide. Je crois qu'il faut aller vers la tourelle. Il faut y avoir le choix. Parce que là, je vais prendre cher hein, si elle est toujours là, quoi. Ah, mais elle est déjà désactivée. Ça sert à rien ce que je fais en fait. Donne-moi ça, merci. Oh, par contre, je retrouverai jamais mon chemin pour sortir. Oh la vache. Trouver les plans du cyborg. Putain, mais ils sont où? Parce que là, je tourne en rond en fait. Là, je reviens au début. Ah, c'est depuis là qu'il me tirait pendant un moment. Puis on peut pas sauter, hein. Il n'y a pas de saut dans le jeu, je vous le dis. Ah, mais c'est littéralement le début du jeu, quoi. Pas du niveau. Ouais, ouais, c'est littéralement le début du niveau. Bon, ils sont où les plans là? Ah. Ah, il doit être là. On va devoir retracer pour trouver le chemin. Déjà, il y a ça.
Je peux pas passer par la fenêtre. Ça me dit pas où c'est ça. Comment je monte là? Oh bah merde alors. Oh c'est vraiment des niveaux labyrinthiques. C'est... Wow. J'avais pas vu ce chemin là qui attaque le sac de toute façon, à part buter lui, c'est tout ce que ça faisait. Y aller par là. On voit une entrée quelque part. Oui, il a l'air d'y avoir un couloir là. Chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. Là, c'est un cul-de-sac, on est d'accord. J'ai pas loupé encore un autre truc. Il n'y a pas de passage. On n'a pas récupéré des munitions, c'est tout ce que, ça apporte. Puis là on est descendu beaucoup trop. Là on se trouve dessous là où je veux aller. Oh la vache. Non mais les décors sont pas destructibles, hein. Faut essayer quand même, mais non, ça marche pas. Excusez-moi, je vous ai tous tués, mais il n'y en a pas un qui voudrait pas être mort. Puis me dire, tiens, c'est par là qu'il faut passer. On peut
pas sauter, je peux pas monter, je peux rien faire. Donc, de toute façon, là, c'est pas là. Alors, remonte dans la salle de contrôle, donc c'est pas là non plus. C'est toujours un cul-de-sac, on peut toujours pas casser les portes. Launch control, oui. Ah, on peut activer des trucs, mais faut savoir. Jusqu'à maintenant, on n'a rien activé ni rien, donc faut savoir. Hein. D'accord, non mais d'accord. Ok, ok. Mais c'est qu'ils esquivent, hein. Attention. Ah, donc ils sont là les plans. Alors maintenant faut retrouver se souvenir du chemin pour repartir. Là, on va se faire défoncer par les autres. Allez, Pen Splitter arrive. Ok, nice. Ouh, eh ben, le début, dis donc. Il fallait savoir qu'on pouvait activer la manette. Je sais pas, y a rien de marqué à l'écran, donc faut le savoir. Difficile et pas disponible direct. Du coup, on a redébloqué trois nouveaux niveaux qui seront donc 1950, en 1985 et en 2020. Très bien. Bon, et ben voilà pour le troisième niveau qui était donc Cyberden en l'an 2005. En attendant, moi je vous laisse, on se retrouve très prochainement pour les années 50 et le niveau village. Allez, ciao!